Hola tout le monde, ici Nagami, pour un nouveau live commentary sur Call of Duty Modern Warfare 3. Don't forget to sub and give a like. Ho 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 ho, regardez-moi cette introduction, non pas du tout inspirée des pubs pour vous abonner à Canal+. Enfin bref, hola tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui nous sommes ensemble sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je sors de dehors, j'ai froid aux mains, mais c'est pas grave, je tenais absolument à vous faire une vidéo. Et avant de commencer à raconter ma vie, donc je vais contextualiser un tout petit peu la chose. Alors nous sommes en mode survie, toujours en commentary live, on change pas une recette qui gagne. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à me faire la chaleur de la maison là. Attendez. Alors, en commentary live sur la map, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est la deuxième map hein, des nouvelles cartes. Et donc... Nous sommes en mode survie. Pourquoi me voir en mode survie uniquement pour me triturer l'esprit et les doigts sur un mode de jeu qui est totalement pas terrible à regarder, du moins pour un commentary, surtout tout seul, c'est plus marrant à deux. Enfin bref, tout simplement parce que c'est une vidéo spéciale, car vidéo réponse à notre cher Diablo X9. Je sais que je me suis pas mal répété, en plus à force de me répéter je fais que de la merde. Attendez, hop hop là, c'est parti, hop. Tiens, prends ça dans tes dents, toi aussi. J'ai perdu quasiment tout mon blindage à la vague 1, mais c'est pas grave, ça rapporte plus de difficultés, bref. Donc c'est une vidéo réponse. Oh, j'ai level up niveau 39. Diablo X9, qui est en fait, ça reprend, il me semble bien, sa vidéo, elle est sortie en mois de novembre. Hein. Et pour ceux qui l'auraient pas vue, bah, je vous invite à aller la voir, vu qu'elle va apparaître maintenant. Quelque part sur l'écran, je sais pas où, je vais me démerder en sorte que ça soit assez visible. Et donc en fait ça reprend un petit peu ces principes de marathon zombie. Enfin qu'est-ce que ça s'entend par marathon zombie? C'est-à-dire qu'on doit survivre le plus longtemps possible avec les armes du début. Le seul truc c'est que par sa grande bonté il nous a autorisé à ramasser le modèle 1887 que j'ai actuellement entre mes mains. Par contre on n'a pas le droit de racheter des munitions, bien évidemment. On a le droit d'utiliser les grenades qui sont à disposition, les grenades jaunes et vertes là, les offensives et les défensives hein, par élimination. Et donc oh putain. Et tiens, prends ça dans tes dents, ça te fera du bien. Et puis bah voilà, on va pas chercher super loin non plus. J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de ramasser des munitions, ouais. Et puis bah voilà quoi, on va. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais mine de rien, c'est que ça va devenir assez compliqué à partir d'un certain moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ah oui, en fait, on a aussi le droit au missile Predator, mais uniquement pour les hélicoptères qui arriveront un petit peu aux manches, un petit peu plus loin là. Et pour les mastodontes, c'est ça. Je cherche le nom des gros balours qui font chier. Ouh, voilà. Alors j'avais essayé de faire le défi sur la map Dome comme Diablo X9, mais non, bon je vais quand même l'appeler Diablo X9, on va dire qu'il est un petit peu plus connu sous ce nom là. Putain de chien. Et j'étais assez fier de moi, j'étais arrivé jusqu'à la vague 15, mais encore une fois, c'était au mois de novembre, donc c'est que ça remonte pas mal, et en plus c'était avec mon ancien PC, donc je ne pouvais pas enregistrer. Tristement d'ailleurs, parce que c'était une partie assez épique, mine de rien. Allez, pof. Donc maintenant que j'ai fini de contextualiser la chose, bien que c'était un tout petit peu flou, je peux commencer à raconter ma vie. Donc alors premièrement, un grand merci à mes maintenant 77 abonnés au jour même où j'enregistre la vidéo, et c'est un chiffre qui ne cesse de grandir, enfin qui ne cesse de grandir, qui pour l'instant stagne, mais qui reste quand même un chiffre assez important à mes yeux, du moins pour la petite communauté que je représente. Et d'ailleurs je vous invite à me faire connaître auprès de vos amis, et tout, histoire que la famille s'agrandisse encore plus, et puis peut-être que plus tard, un jour, on pourra faire un petit dîner ensemble. Non, je déconne. Et vraiment, merci à tous d'être aussi nombreux. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, la dernière vidéo que j'ai sortie sur... Bref, j'ai joué à Guitar Hero. Honnêtement, merci. En moins d'une semaine, j'ai dépassé les 150 vues, et ça me fait vachement plaisir. Il y a eu 10 j'aime et tout. Bon, il y a un petit méchant qui a mis un j'aime pas, mais c'est normal, je comprends, on peut pas tous aimer mes vidéos. Mais ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ça. Donc là, alors là, ça commence un tout petit peu à se corser. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'acheter des munitions, et je viens de vous dire à l'instant que ça va se corser un petit peu. Pourquoi? Parce que là, les bonhommes, ils nous rapportent plus de munitions, donc je vais me démerder avec mes USP, mes 65 balles USP plus les petites barres que j'arrive pas à compter.
Et les modèles, donc on va essayer de jouer ça le plus intelligemment possible en économisant un maximum les balles. Si vous voulez rembobiner la vidéo, enfin si vous connaissez pas le mode survie, bah rembobinez la vidéo et vous aurez vu au tout début que j'avais une sorte de petit bouclier jaune, enfin une sorte de petite icône jaune en forme de bouclier. Oh putain de merde. Et en gros bah ça c'était mon bouclier, j'avais 250 points de bouclier, bon je connais pas les barèmes de dégâts hein. Mais bref ça pouvait me servir à me protéger, sauf que là maintenant je suis un petit peu dans le caca, bien qu'il y ait la régénération automatique. On va essayer de faire en sorte que on ne meurt pas tout de suite, parce que en fait j'ai une deuxième chance là. Deuxième chance qui était d'ailleurs le nom de la toux sur Black Ops. Hein. Maintenant c'est une sorte de barreau d'honneur. C'est ça, ça voulait pas sortir de ma bouche. Et c'est la petite icône jaune vert kaki là que vous voyez en bas avec un bonhomme allongé sur le dos avec un bras sur le qui s'appuie sur un de ses coudes et qui fait un petit peu genre pub téléphone kaki, bref. Et puis ça bah c'est à dire que quand mon écran sera tout rouge au bout d'un moment, au lieu de mourir en fait je vais me retrouver par terre, je vais sortir mon petit flingue même si je n'ai plus de balle. Et ça me... Oula putain, qu'est-ce que là. Ok, t'as pas pris. Et en gros ça me permettra d'avoir, comme son nom l'indique, une deuxième chance. Là par contre ce serait con de gaspiller une munition de... Enfin une munition, une grenade rien que pour eux là, surtout qu'ils la méritent même pas. Allez hop. Non par contre si je sors dehors je sens que je vais me faire avoir, c'est pas grave. Alors petite astuce hein, pour ceux qui désiraient faire le défi. Ah putain ça y est, non j'ai pas envie de permettre. Non j'ai dit non. Putain pourquoi tu recharges maintenant, bordel. J'ai juste pas envie de perdre mon deuxième chance, c'est pour ça que je m'enfuis, je préfère jouer la sécurité que jouer la précipitation. Désolé, j'ai dû gueuler très fort dans le micro et ça fait je sais pas combien de fois que je dis que je suis désolé, donc je vais être désolé fois l'infini jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est dit, maintenant c'est fait. Maintenant si je vous insulte de connard, et ben je m'excuse pas parce que je me suis déjà excusé, voilà. Mais bien évidemment c'était pas intentionnel et je sais que vous m'aimez tous. Alors je disais tout à l'heure, pour économiser un maximum de balles, je vais donner un maximum de coups de couteau. Pourquoi? Parce qu'au début des manches, en fait, les ennemis, ils sont pas super résistants. En plus, c'est des vrais cuits d'huîtres, quoi. En plus, d'ailleurs, je crois que c'est une expression que Benoît a repris. Et, oh, merde. J'ai fait la connerie de pas acheter des trucs. Oh, putain, en plus, je connais même pas la map à l'origine, vu que je joue pas beaucoup en multi. Et en plus, là, il y a des hélicoptères. C'est génial. Ah, mais j'ai déjà acheté mon Predator. C'est cool. C'est bon, il n'y a pas de... Ouais. Et hop, viens par là, petit kéké. Toi aussi... aussi. Et l'astuce que j'essaye de donner depuis tout à l'heure, c'est de donner, ouais bah non si je l'ai déjà dit, de prendre l'USP pour donner des coups de couteau. Pourquoi? Parce que l'USP il est un tout petit peu plus léger qu'un fusil à pompe. Bon encore une fois c'est, tout est relatif n'est-ce pas dans Call of Duty, et ça permet d'avoir un temps entre deux coups de couteau qui est beaucoup plus rapide. Regardez, tac 1 2 tac 1 2 tac, alors qu'avec le modèle si je switch fait tac 1 2 3 4 ouais voilà, bon voilà on attend deux fois plus longtemps. Bref, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les missiles Predator pour les hélicoptères et BAM. Ouh, allez on avance. Allez hop, paf, il ne reste plus qu'un ennemi. Alors les hélicoptères c'est compté comme des ennemis hein, je sais. Oui bon si ça reste cohérent, bref. Et puis bien voilà. Mine de rien, je me rends compte que j'ai parlé assez densément sur ces 6 premières vagues et je me rends pas compte qu'on est déjà à 8 minutes 30 d'enregistrement. Nom de Dieu, je trouve des choses à dire, mais qui sont totalement inutiles et qui sont... Voilà. Homer Drunk. Hi Homer Drunk, now you are on YouTube. Alors ceci est un chien dont la contenance contient des produits assez spéciaux. Hein. Ouh, et toi tu prends ça. Tu prends cher. Bon alors je l'ai pas dit au début de vidéo, mais c'est la première fois que je le fais, enfin que je fais le mode survie sur cette carte. Ouh, réaction en chaîne mes amis. Et je sais pas du... Enfin je découvre la carte en même temps que vous. Enfin je découvre, là je commence à être un tout petit peu confirmé dessus. Mais voilà, ça devient un petit peu compliqué. Alors vous avez vu l'apparition de chiens avec du C4 sur eux et des hommes un petit peu explosifs, genre Explosive Man. Et donc ces bonhommes, si vous arrivez à faire des petits combos assez sympas, vous pouvez faire une petite triplette, quadruplette, même multi-killette. Et honnêtement ils sont sympas. Bon c'est vrai que c'est vraiment à partir des grosses manches, et si vous avez la chance que tous les ennemis soient entassés. Honnêtement moi comme je fuis, je sais pas trop ce qui se passe. Il reste qu'un seul bonhomme, pourquoi il y a deux points rouges? Ah ok c'est bon. 1, 2, prosterne-toi devant ton maître.
Hop là. Oui, c'était totalement intentionnel que je me fasse exploser la tronche. Allez, houhou. Donc, écoutez, je vous invite à faire le défi de Diablo X9. Hein. C'est vraiment quelque chose de super sympa à faire. Et puis, voilà, quoi. On va pas chercher plus loin. Hein. Alors là, pour l'instant, on est à la vague 8. Score assez honorable pour une toute première partie de découverte. Les ennemis rapportent toujours 125 points, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours être morts avec un seul coup de couteau. Ah, putain. Par contre, ça, après que ça va se gâter, c'est que les bonhommes qui rapportent 150 points, bon, il y a les bonhommes explosifs qui rapportent 150 points, et après, il y a d'autres bonhommes qui rapportent 150 points, sauf que eux, c'est des bonhommes résistants avec des armes à longue portée, comme eux, là, avec des MP5, je crois, c'est ça qu'ils ont. Allez, viens. Ouh, toi, tu vas exploser avec le chien. Non! Alors l'avantage avec les chiens, c'est que quand vous êtes un petit peu dans une situation assez embarrassante, ça vous laisse 2 secondes le temps de réfléchir un peu, parce que il y a une certaine cinématique qui s'enclenche quand vous êtes à terre et qui essaye de vous mordre. Bon, mitraillez quand même le bouton, le bouton qui est assigné à vos coups de couteau. Hein. Moi pour ma part c'est B vu que je joue en tactique. Et ça vous laisse 2 secondes pour réfléchir, parce que quand vous êtes à terre comme ça, il y a le chien qui fait... Et après, bah... Vous pouvez réfléchir pendant 2 secondes pour la 12e fois que je le dis en lui éclatant la tête, là, en lui tordant la tête, genre bon, j'arrive pas à faire, ça fait un petit peu un effet Titanic, bref. Et il y a le mastodonte qui arrive. Et pendant ce temps-là, en gros, vous êtes entre guillemets invincible. Bon, à partir du moment où vous relevez, faut pas croire que c'est la fiesta, hein, vous crevez direct. Bon, alors, soit je m'occupe du mastodonte maintenant, soit je m'en occupe après. Bon, je vais m'en occuper en dernier. Par contre, je vais pas trop me rapprocher de lui parce que je sens que ça va mal finir. Sinon, allez, le petit commando. Allez, c'est pas grave, on se les fait tous au fusil à pompe. T'es encore vivant, toi? Ouais. Je sais. Ah, et paf, le dernier, c'est le mastodonte. Donc, on va se reposer tranquillement. On va aller se prendre un petit café ou à la petite église du coin. On va demander l'hostie et puis on va prêcher Dieu. Allez, mes enfants, tous ensemble. Ok, non, c'est bon, je déconne. 1, 3, 2, 1, et boum! Alors en fait, le petit décompte 3, 2, 1, boum, ça me permet de calibrer entre le son et l'image, vu que j'enregistre en différé. Hein. Vu que j'enregistre en différé, enfin j'utilise Audacity et en même temps. Comment ça s'appelle? Total Media Extreme 2, logiciel fourni avec le HD PVR. 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 Ah putain. Bon, bah, je sens que je vais pas aller bien loin. Ah voilà, je vous avais dit. Alors les bonhommes qui rapportent 150 points. Bon, très mauvais exemple. Hein, je lui ai donné un coup de couteau, il est mort. Mais c'est parce que je lui ai fait un hit marker au fusil à pompe précédemment. Bon, mine de rien, j'ai fait pas mal d'économies sur les balles. Toi tu bouffes aussi. Sauf que tu prends pas parce que j'ai visé à côté. Hop là. Ouh, bon. Bon. Ouais, je disais, j'ai fait pas mal d'économies, ce qui va me permettre d'arriver juste en priant, en étant assez correct jusqu'à la putain de mur, jusqu'à la vague 12 environ. Espérons arriver un tout petit peu plus loin. Il me semble que Benoît ou Diablo X9, enfin comme vous voulez, il est arrivé jusqu'à la vague 11 ou 12, mais pas plus. Hein. Regardez-moi tous ces soldats en train d'agoniser par terre. Petit cochon. Oula, pourquoi je... Ah, j'ai oublié de donner 2 petits coups de pistolet pour faire « Je suis mort pour ma patrie ah. !» Donc, pendant que j'y suis, hein, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois et de laisser un petit pouce bleu alors qu'il est, vu qu'on en profite de ce petit moment de... Oh putain, j'ai envie d'acheter des munitions, vu qu'on en profite de ce petit moment de paix et de calme. Avant la guerre. Yo, le jump kill qui a pas pris. Ah, dommage, la petite retournette, ça aurait été pas mal, là. On se repose tranquillement dans le calme et on est reparti. Ok. Je crois que j'ai peut-être monté d'un cran la sensibilité. Bon, maintenant vous connaissez ma configuration. Si vous avez fait pause, ouais, tu sais quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a avancé tête baissée, genre rhinocéros. Je comprends pas pourquoi il a pris en un coup. Ah, c'est peut-être un des bonhommes que j'ai mis en hitmarker tout à l'heure. Oh yeah.
Ah, par contre, ouais, honnêtement, vous voyez, hein, c'est à partir de ces manches-là que ça devient compliqué parce qu'ils prennent pas. Et vous avez vu, j'étais à aller une bonne quarantaine de balles en début de manche, et là je suis passé à 30. Donc j'ai fait une économie de balles totalement minime et j'ai visé comme un porc, donc j'ai joué comme un gland. Pour ne pas dire d'annerie. Allez, toi tu meurs, et toi tu meurs. Je suis désolé, ça vous donne un peu la germe, moi aussi. Et puis, voler, voler, 92% de précision, et quand même, mine de rien. Ah, j'ai subi 294 de dégâts, donc même si j'avais repris le bouclier, j'en aurais plus. Et puis voilà. Ah merde. Oh merde, j'ai oublié de racheter des. Oh putain, non, non, si, c'est bon, c'est en dessous. J'ai oublié de racheter des missiles Predator, des Predator missiles for English people. Alors toi, tu prends, toi aussi. Eh, franchement, là, c'est pas le moment de me gaver là. Jump kill, coup de couteau histoire de faire de finir et tout. Ouf. Donc, ah putain, j'espère que la vidéo ne vous ennuie pas jusqu'à maintenant. Honnêtement, moi je prends beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que vous aussi vous prenez beaucoup de plaisir à la regarder. Ah bordel, bon, il reste les deux derniers là. Alors qui c'est lui? Lui c'est le gros avec le bouclier ou c'est pas le gros avec le bouclier? Ah oui, lui c'est le gros sans bouclier. Alors tac, on va essayer de mémoriser sa position. Vas-y, on fait péter le Predator. Toi t'es le premier. Alors là on va faire quelque chose d'assez marrant. C'est que il est où le deuxième? Bon, il est là. C'est qu'on va faire joujou avec lui. Alors vous voyez, c'est vraiment un cuit d'huître, hein. J'ai beau tourner autour de lui, l'avantage c'est qu'il est super lent. Donc on va s'amuser à le cuter jusqu'à la fin. Et petite astuce, hein, si vous faites ce que je fais, bah ça vous débloquera un succès. Bon, je l'ai débloqué le jour où je l'ai fait sur le map Dome. Et je crois que ça vous rapporte 15G, un truc comme ça. C'est tuer un mastodonte avec uniquement au coup de couteau ou en l'achevant au coup de couteau, je sais plus. Donc à vous d'essayer. Alors là, j'ai pas compté coup de couteau, donc si vous voulez compter, bah je vous invite à le faire. Ah putain! Hop là! Voilà, ça fait un petit succès. Comme je le disais tout à l'heure, mais comme je l'ai déjà eu, ça ne marche pas. Alors, comme Benoît n'est pas allé aussi loin, je me demandais s'il nous autorisait quand même à prendre le bouclier. Mine de rien, c'est pratique. Mine de rien, c'est vraiment pratique. Mais bon, comme il l'a pas dit, je ne vais pas le faire. Et je vais laisser tel quel. Vague 13, quand même, mine de rien, ça reste quand même un score assez honorable sur une map qu'on découvre. Hein. Là, bon, l'avantage, c'est que c'est pas mal à découvert et qu'en dessous, on peut se cacher. C'est assez pas. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas trop traîné dans les coins. Trop là-bas, trop là-bas. Et je vois un mec en mode. En mode quoi? En mode, je fais la teuf avec mon gaz lacrymo, je suis un petit terroriste et tout. Oh putain! Oh, j'ai pas utilisé beaucoup mon USP, tiens. Alors, ce que vous voyez là, les bonhommes qui sont un petit peu gazeux, c'est des bonhommes qui sont un petit peu gazeux. N'est-ce pas, Colin? J'ai décerné le prix Nobel de la science. Et oh putain! Sexy! Et j'ai eu personne. Allez, on se fait éclater les doigts. Et en fait, ces bonhommes-là, ils sont un petit peu chiants parce que quand ils éclatent, si vous avez joué à Black Ops, pour ma part, oui. De toute façon, qui n'a pas joué à Black Ops? Ma mère. Et bah en fait, quand ils pètent, ils lâchent des gaz Nova. Une gaz Nova, c'est une sorte de gaz qui est un petit peu légèrement offensif. Attention à ne pas garder à la portée des enfants. Et ce gaz-là, en fait, il peut vous tuer si vous restez trop près trop longtemps. Oh putain, il était pas mort lui. Ouais, toi t'étais pas mort. Et là il reste 3 bonhommes, donc c'est bon, on va y aller. J'ai plus de balles d'USP, c'est génial. Il me reste une grenade offensive plus 2 flashs. Oh putain, hein, ils m'ont fait peur les deux. Soumets-toi à ton maître, je t'ai dit. Soumets-toi à ton maître. À genoux. Oh le bâtard. Non, les gros mots c'est pas bien, il faut pas le dire. Et ce qui est chiant aussi avec eux, c'est voilà, donc ce que je voulais parler, c'est qu'ils posaient des clémores chimiques. Je sais pas si c'est françaisish, mais voilà. C'est chiant, surtout quand on se fait courser, ça nous arrête en plein milieu du chemin. Et là, je crois que je vais pas faire long feu. Bon, notre tri. Oh putain, il vient d'où lui? Mais qu'est-ce qu'il me tient? Ouh putain, ça y est, ça commence bien. Allez, tiens, prends ça, le chien. Les chiens, meilleurs amis de l'homme, sauf dans Call of. Du moins dans le mode survie. Allez. Jump kill 360.
Ouais, hitmarker comme d'hab, hein. De toute manière, c'est tout le temps quand on veut faire des beaux trucs que ça marche pas. Oh putain, je peux même pas recharger. De toute manière, j'ai plus de balles, ça sert absolument à rien. Oh, tant pis, viens le chien, viens. Moi, ça me dérange pas que tu viennes, toi. C'est juste tes copains, tes maîtres humains là que j'apprécie pas trop. Allez, 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 allez là. Ah. Alors là, ça rentre plus dans le commentary stress que dans le commentary en lui-même. Hein. On est bien d'accord. Il me reste 3 balles de modèle, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 7-8 balles du SP. Donc je vais pas faire long feu. Allez, toi tu pètes et tu fais chier tous tes copains. Non, non, non. J'espère ne pas vous faire partager mon stress et ne pas vous faire partager tous mes petits cris d'orgasme. Ouh, la dernière. Ah non, il me reste une balle. La balle de la victoire et boum, dans ta tête. Non, c'est mort, c'est mort. Je pète avec ma grenade. Allez, cours, cours. Ouh, la petite doublette à la grenade. Bon, honnêtement, si j'arrive jusqu'à la vague 15, là, je serais vachement content de moi parce que là, ça y est, j'ai... Ah si, il me reste encore une balle. Paf. Ah, mais j'ai encore les flashs. Alors là, honnêtement, je suis en train d'utiliser les solutions de dernier recours. Là, autant dire que je suis déjà fini. Allez, hop, on va assurer le coup. Non, 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 c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, alors, j'ai plus de balles de modèle, et j'ai plus de balles USP, et j'ai plus de grenades, et j'ai plus rien. Ah, j'ai pas fait gaffe à la clé mort. Et je suis un petit peu dans le caca. Donc bah vu que la vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner. Je sais, j'insiste beaucoup, mais je me dis que je peux vous proposer des vidéos intéressantes. Donc pourquoi pas, n'oubliez encore une fois pas de vous abonner, de laisser un like comme je l'ai dit en début de vidéo avec ma chanson Canal Plus, and give a like. Et le pouce bleu très traditionnel. Ah ça y est, je suis mort. Ah ça y est, je suis mort. Ah non. Ah ouais, comme je vous ai dit, là ça vous laisse 2 secondes pour réfléchir et de courir. Ah putain, si j'arrive à la vague 16, je mouille sur place. Non, ah putain, je suis en train de dire des conneries. Ah, ça y est, c'est le stress, ça me fait dire qu'il y a des saloperies. Oh, allez, allez, on se concentre un petit peu. De toute manière, qu'est-ce qu'il reste? Juste 2 hélicoptères à nos culs. Un connard avec ses trucs chimiques. Si on reste là, je pense que ça peut le faire. Avec le chien, là, vas-y, fais péter tes camarades. Tant qu'il n'y a pas de mastodonte, ça peut aller, je pense. Et c'est la fin! Voilà, bah laissez un commentaire si ça vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette carte qui est Libération, voilà. Et sur ce, je vous dis surtout à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vous réserve encore une fois plein de surprises et plein de rebondissements sur plein d'autres jeux vidéo qui sont en ma possession. Et je vais faire le kamikaze! Ah merde, je l'ai même pas eu en plus. Et puis voilà, ciao mes amis.